Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons faire l'étiquette Chabi. Donc j'en ferai qu'une comme ça. Après, j'ouvrirai les calendriers de l'Avent. Voilà. Donc comme je vous avais fait voir, j'ai pris le tampon que Nathalie m'a offert. Je l'ai colorisé et du coup, donc à commencer. Donc j'ai fait. Je vais coller ça comme ça, mais là, avant, là, derrière, je vais mettre, hop, je vais coller du ruban pour que ça fasse plus joli et chabi, quoi. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc je replie ma dentelle comme ça, j'ai dit le ruban, mais en fait c'est de la dentelle. Et hop, je colle. De façon à ce que ça dépasse un peu. Là, je vais mettre un peu de colle. Alors, j'en mets pas à chaque fois parce qu'en fait, vu que c'est de la dentelle assez fine, elle traverse. Hein. J'en mets une bonne dose là et ça traverse et du coup, vous voyez, ça tient. Hop. Donc c'est Cathy qui m'avait demandé de faire des étiquettes. J'en ferai d'autres. Je pense début janvier. Voilà. Là maintenant, c'est bientôt Noël. Donc voilà, et la semaine prochaine, ça sera un peu récréation. Ça changera. Hop, ah bah ça c'est défait. C'est pas évident de faire vite. Avec bon pour placer la dentelle, je pense que d'aller trop vite après, je pose de travers quoi. Hop. Après, c'est vrai, si il y a certaines personnes qui ne savent pas le chabi, bon bah ça fait l'occasion de faire voir aussi comment il faut procéder pour la dentelle. Après, il y a de la dentelle qui est déjà toute pliée là. J'ai le doigt qui colle. Du coup, ça m'enlève ma dentelle au fur et à mesure. Et je prends pas le pistolet, sinon c'est je me brûle. Hop, vu qu'il faut
appuyer un petit peu sur la dentelle. Dimanche, comment? Pour ceux qui connaissent Matisse et il adore, vous savez, tout ce qui est astronaute, l'univers et tout ça. Et là, dimanche, il y avait l'alignement des trois planètes. Dimanche, lundi. Hop. On en a beaucoup discuté avec Matisse dimanche. J'ai intérêt d'être informée. Alors sur Netflix, je regarde des commentaires. Là, en ce moment, il y a l'univers. C'est vraiment intéressant et bien. J'ai intérêt de m'informer parce que Matisse, on a beaucoup, beaucoup de discussions sur les planètes et tout ça. Et bon, voilà. Du coup. Je trouve ça, c'est vraiment intéressant parce que, il m'appelle et il m'en parle, t'as vu mamie, il y a ceci, t'as vu mamie, ils vont faire cela. Enfin bref, c'est vraiment des petits moments qu'on a tous les deux, c'est vraiment super quoi. Dans son calendrier de l'Avent, je lui ai pris un livre justement sur les planètes, il était vraiment, c'était un petit livre de poche. En 3 jours, il l'avait fini, tellement que ça l'a intéressé, tellement que ça lui a plu et tout. C'est vrai, il y avait plein de petits, les premières fois qu'ils ont été sur la Lune, enfin bref, vraiment ça. J'étais étonnée, j'ai dit, bah dis donc, mais en 3 jours, il avait fini le livre. Hein, mais il est vraiment. Je sais pas s'il en fera son métier, mais en tout cas, il est vraiment intéressé à fond là-dedans. Hein. Et ça fait des années que ça dure. Donc voilà pour la petite dentelle autour. Je trouve ça fait super joli. Et du coup, maintenant, je vais coller comme ça. Et après, je mettrai le brillant. Par contre, ça m'embête. Hop. Je vais donner un petit coup. Et je vais pas coller, je vais mettre de la mousse 3D. Hop. Je nettoie un peu là parce que j'ai plein de colle. Hop. Ma mousse. Donc ouais, c'est vraiment intéressant et je trouve ça vraiment super quoi. Hop, et hop. Là. Alors ma mousse là en fait je la prends je la trouve à Intermarché. C'est Scotch qui fait ça parce que bon vu que j'ai pas été à Action ben j'ai pour le moment j'ai que ça. Mais elle est bien hein. Hop. Donc voilà, notre conversation de dimanche, et il faut savoir que tous les jours, il m'appelle, tous les jours, même le soir quand il est à l'école, il m'appelle, il me raconte sa journée, vraiment, même si parfois il reste pas longtemps, parce qu'après il y a beaucoup, il a des devoirs à faire, quoi, mais
Ah, tout le temps, c'est vraiment, j'apprécie quoi. Donc voilà, on est très proches tous les deux. Et je suis bien contente que ça reste comme ça. Bon, je vais finir de mettre hop, ça là autour. J'espère, Cathy, que ça te plaira. Et je crois, Cathy, je crois pas que j'ai ton adresse. Alors donne-me, si jamais tu me l'envoies par mail, et je te l'enverrai là, cette étiquette-là. Je t'en fais cadeau. Si tu veux bien me donner ton adresse par mail. Elle est dans ma barre d'infos là en dessous la vidéo. Ça me fera plaisir de te l'offrir. C'est pas grand-chose, mais voilà. Hop et hop. Donc voilà. Là, je vais mettre mon petit personnage. Donc je vais la coller comme ça. Et là, j'ai pris dans le kit, un des kits que Nadia m'a envoyé, c'est celui-là que j'ai pris. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, ouais, j'ai pris le papier aussi. J'ai pris ce papier-là et j'ai pris c'est celui-là. Voilà, celui-là et celui-là pour faire l'embellissement là. Et du coup, j'ai pris une étiquette là. Avec le tampon que Nadia, pareil, m'a envoyé, faire une pause, ralentir, s'arrêter de faire. Non, oui, s'arrêter de faire pour être. Voilà. Et du coup, ça, là, je vais y mettre comme ça et ça comme ça. Là, comme ça. Et là, j'y mettrai des fleurs. Donc, ça, je vais déjà y mettre. Comme ça, hop, oups là, donc je mets de la mousse 3D et je vais mettre mon petit morceau de ruban qui est passé là. C'est pas celui-là que je voulais, mais bon, je vais prendre ça. Hop. Donc là, je mets un petit morceau de ruban blanc. Comme ça, de travers. Là, par-dessus, je vais mettre mon personnage. Du coup, je vais remettre de la mousse 3D. Y a beaucoup de mousse 3D. Hop. Je ne vais pas regarder le temps, 14 minutes, ça va. Voilà, et là je vais mettre des fleurs. Alors je vais prendre hop, mes petites fleurs là. Là j'ai une rose. Donc je vais mettre une. J'ai pris un peu plus foncé, je l'ai fait exprès, hein. Mes pistils en rose.
Hop. J'ai ma colle qui coule. Oh, bah, elle ne veut pas coller celle-là. Hop. Voilà. J'essuie ma colle là parce que voilà, là. Hop. Un petit truc comme ça, je vais le mettre, je sais pas où là, comme ça cache un peu l'écrit. Hop, j'en ai un comme ça, je vais le mettre là. Ma rose, elle s'en va. Et là, je vais mettre un petit morceau de dentelle blanche. Voilà. Je fais une petite boucle.
Et je vais le mettre là. Hop, je fais gonfler un peu ma boucle. L'autre. Et voilà pour mon étiquette. J'espère que ça veut. Que ça vous plaira. Laissez-moi un commentaire, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Bon, si même si je réponds pas, je lis tout au moins. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous passez par là, de mettre le pouce, c'est très valorisant. Et un petit commentaire, voilà, ça me fait super plaisir. Alors là, je vais ouvrir le calendrier de l'Avent du 22 pour Nathalie et Nadia. Donc, hop. Alors, Nathalie, c'est plein de. Ça y est, j'ai oublié le nom. De paillettes champêtres. Voilà, c'est super chouette. Les papillons, là, tout ça, moi, je m'en sers. Quand je fais des créations, et du coup, Nathalie, je te remercie beaucoup, beaucoup, parce que c'est, voilà, en plus, dans des couleurs un peu pastel et tout, c'est super bien, et j'en avais plus, donc, je trouve que c'est bien, voilà, je te remercie beaucoup, Nathalie. Alors, Nadia, alors, je vais en ouvrir que deux aujourd'hui, parce que là, il y a un gros paquet, et du coup. Ah bah, encore des étés du cardstock adhésif. Ah bah donc, hop. Ça me colle. Donc en rose. Rose foncé. Hop, en violet, j'adore. Et après, on a violet foncé. Je te remercie beaucoup, Nadia. Vraiment, ouais, il y a du rose pâle, du rose un peu plus foncé. J'en ai utilisé un. Je vais faire plein d'anges avec, la, comment, la... Oh, ben, ça y est, j'ai oublié les mots aujourd'hui. Avec la perforatrice, voilà. Et je vais ouvrir, donc, celui-là. Donc, vu que c'est assez gros, voilà, je ne voulais pas en ouvrir plusieurs. Comme ça, voilà, ça fait une vidéo de 20 minutes, 25 minutes, ça fait pas trop. Hop! Waouh, hein, c'est une jolie boîte déjà. J'ai de la colle de part. Oh, c'est trop joli. En vert. Oh là là. Couleur de Noël. Oh, c'est trop beau. Oh. Ouh là là. C'est la boîte à surprise. Alors. Des trucs, des machins et des bidules. Vraiment, merci Nadia. Tu me fais rire, ta boîte, elle est sublime. Celle-là, alors là, je vais me la garder. Je vais l'utiliser pour mon sucre ou je ne sais quoi. Alors,
Qu'est-ce que c'est? C'est de la colle 3D. Embossing. Ah, ça doit être. Ah oui. Je pense gloss. Alors, ah, vernis 3D transparent. S'il y a des bulles d'air, ouvrez le bec. Ah, ça, je pense que faut que j'essaye ça, tiens. La colle 3D, ben, je ne connais pas du tout. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Nadia. Botanique. Ça sent trop, trop bon. C'est un sachet parfumé, alors ça, j'adore. Merci beaucoup, Nadia. Du ruban marron. Bon, alors là, ça tombe bien, j'en ai pas. Du fin comme ça, j'en ai pas. Ah, bah, merci beaucoup. Il y a plein de. Oh, il m'a mis des petites choses. Pour faire des créations, c'est trop bien. Hop. Il y a des petites fées, il y a des petits oiseaux. Ah, oh, bah, merci beaucoup. Hein. Oh, ça, j'adore. Comment? J'aime bien faire des petits bracelets, des trucs comme ça aux filles. Et du coup, ça. Voilà. Bah, merci beaucoup, Nadia. C'est trop bien. Des anges, je les vois là à travers. Ouh là là, il y en a plein de partout. Bah, dis donc. Hop. Oh, c'est des anges à pendre pailletés. Oh, c'est trop beau. Oh, ben, je te remercie beaucoup, Nadia. J'adore. Je vais leur mettre un ruban, je vais les mettre derrière. Un porte-clés marron. Waouh, il est super joli, oh. Oh, je te remercie beaucoup, Nadia. Oui, c'est vrai. Plein de bricoles, mais j'aime bien. Ah, un sapin à monter. Et comment? À peindre ou comme on veut. Moi, j'aime bien aussi laisser en bois. J'aime beaucoup le bois. Je te remercie beaucoup, Nadia. Alors, de l'encre. Studio. Et c'est la couleur bon, je vois pas le nom de la couleur, mais en tout cas, merci beaucoup. C'est du vert. Un vert foncé, j'aime bien un vert Noël, quoi. Merci beaucoup, Nadia. Alors là, il y a un petit paquet. Oh, un dice. Oh, un ange. Oh, j'adore. Oh, trop bien. Ah, oh, super, il est trop, trop chouette. Merci beaucoup. Je pense que c'est un ange. Voilà, on fait la découpe. Et là, je vois, il y a un petit rabat. Et hop, en fait, il tient debout comme ça, en fait. Je vais en faire un. Je vais essayer pour. Et je vais en envoyer quelques-uns à Lilou. Je vais lui faire des découpes. Et à Lilou, hop, je lui enverrai. Merci beaucoup, Nadia. Alors, hop, ben là, j'enlève pas le bon truc. Ah, mince, je suis en train de déchirer un truc. Mince, c'était écrit. Oh, ben alors moi, elle m'avait écrit quelque chose dedans. Non, mais. Ah, bon, faut que je lise. Hein. Qu'est-ce qu'elle m'a marqué, Nadia? Alors, je l'adore. J'adore Nadia avec ses petits mots, j'adore. C'est sa spécialité, les petits mots. C'est dommage, je vois pas. Un emballage avec.
Bah, ah, c'est dommage. J'ai pas découpé correctement et du coup, j'ai arraché le mot. Peut-être que si, voilà. Hi, non, n'importe quoi. Oh, ho, ho, un emballage. Ah, on a la suite derrière. Dans l'emballage, avec un petit bonhomme sourire. C'est Nadia, ça. Eh ben, c'est collé, hein? Oh, un ange encore. Oh, il est trop beau. Ouais, il y a l'étiquette. J'adore. Merci beaucoup, Nadia. Franchement, j'adore. Ouais. Alors, une petite boîte. Bon, je vais essayer de pas tout casser. J'aime bien, tu as fait pas mal de créations cette année, dis donc. Oh. Oh là là, je suis gâtée, hein. Juillet. Oh là 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 là. Oh, c'est trop, trop beau. Alors, je vais le mettre. Je vais faire. Comment? Mettre du ruban et autres. Et je vais le pendre au rétroviseur de ma voiture. Il n'a pas d'ange. C'est trop, trop beau. Oh, c'est trop beau. Je te remercie beaucoup. Avec un cœur et une petite pierre au milieu et tout. Il est magnifique. Avec ses petites couettes. Merci beaucoup, Nadia. Et hop, bah la boîte, elle va me servir à mettre les choses dedans. Elle est trop belle, cette boîte. Oh là là, encore un ange. Je crois bien, hein. Oh, c'est trop beau aussi, ça. Oh, elle est sublime. Oh, il est trop, trop beau. Oh, j'adore. Oh, je te remercie beaucoup, beaucoup, Nadia. Merci. Bah, voilà, j'en ai mis de partout. Hop. Alors, Nadia, je te remercie beaucoup pour tous tes magnifiques cadeaux. Nathalie, je te remercie de même. C'est pareil, ça me fait super plaisir et vraiment un grand, grand merci. Voilà, et j'espère que ma petite étiquette Chabi vous plaira aussi. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Au revoir. Prenez soin de vous.